Ne vous laissez pas berner par ce chapeau minable. Sous ce chapeau se cache un sens des affaires hors du commun. Ce petit garçon noir nommé Bernard est un cireur de chaussures. Mais attention, il choisit volontairement d'installer son stand devant la banque. Pour que ses clients soient tous des blancs riches. Il ne se soucie pas du peu d'argent gagné en cirant les chaussures. Il travaille lentement pour pouvoir entendre les secrets financiers dont parlent les blancs pendant qu'ils attendent. Dès leur départ, le petit garçon l'écrirait dans un cahier. Tout ce qu'il veut, c'est les précieuses connaissances financières qu'il a entendues d'eux. Dès son plus jeune âge, il sait que son rêve de toujours est de devenir banquier. Nous sommes au Texas en 1939, un endroit où les Noirs étaient opprimés par une grave discrimination. Son père lui dit tristement que son rêve est impossible. Mais les yeux de Bernard montrent une détermination envers et contre tout. 15 ans plus tard, le garçon adulte s'installe à Los Angeles avec sa femme Nice et ses enfants. La discrimination ici n'est pas aussi grave que chez lui. C'est pourquoi il décide de démarrer son entreprise ici. La famille de trois personnes doit vivre dans la buanderie délabrée d'un de ses proches. Bernard promet néanmoins à sa femme qu'ils vont bientôt déménager. Il débute comme agent immobilier et recherche des maisons à vendre partout dans la ville. Grâce à une observation approfondie, il constate que la communauté noire de Los Angeles est surpeuplée, tandis que la communauté blanche compte encore de nombreuses maisons vides. Les Noirs ont des besoins de location et une solidité financière. Mais il n'existe pas de marché. Il s'agit d'une excellente opportunité commerciale pour la spéculation immobilière et la location. Il voit un appartement appartenant à des blancs avec des mauvaises herbes sur la porte d'entrée. Visiblement pas en très bon état. Pourtant, lui seul voit l'avantage de l'emplacement de la maison, adjacent à la zone noire. Il s'adresse au propriétaire et lui dit, « Vous n'avez loué que la moitié de l'appartement. Alors pourquoi ne me le vendez-vous pas? Je vais vous donner 30 000 $ maintenant. Et je vous donnerai 5 000 $ supplémentaires lorsque je louerai toutes les chambres. » Bien que le propriétaire admire son idée, il ne veut pas se lancer dans des affaires risquées. Bernard exprime sa compréhension. Avant de partir, il jette un coup d'œil soudain au calendrier du propriétaire, qui montre qu'il lui a été remis par un directeur de banque locale. Alors une idée lui vient à l'esprit. Il dit au revoir au propriétaire et se rend directement à la banque, où il retrouve le gérant qui lui a envoyé le calendrier. La secrétaire du gérant, qui discrimine les Noirs, refuse de le présenter au gérant. Il attend quelques heures à la porte de la banque et lorsque le gérant sort, il l'arrête immédiatement. Il dit, « Je connais un de vos clients VIP. Les affaires que je fais lui profiteront et j'espère que vous pourrez approuver un prêt pour moi. » Mais le directeur de la banque le rejette sans réfléchir. Cette nuit-là, il reçoit un appel du propriétaire. Le propriétaire lui demande, « Avez-vous utilisé mon nom pour essayer d'obtenir un prêt ?» Il n'a d'autre choix que de s'excuser. De manière inattendue, le propriétaire ne lui en veut pas mais admire sa conviction qu'il n'abandonnera pas tant que son objectif n'est pas atteint. Le propriétaire décide de garantir le prêt pour lui. Il obtient donc le premier prêt de sa vie auprès de la banque et achète la propriété. Une vieille dame blanche vient de rentrer des courses lorsqu'elle aperçoit un homme noir à sa porte. « Que fais-tu » demande-t-elle d'une voix aiguë. L'homme noir répond calmement, « Je suis en train de rénover l'immeuble. » La vieille dame parle avec un visage méchant, « Les travailleurs comme vous devrez faire attention. » Bernard répond, « Ne vous inquiétez pas, c'est mon immeuble et j'en prendrai bien soin. » Sans voix, la vieille dame rentre chez elle en colère. Et la police arrive peu après. Il raconte à Bernard qu'une vieille dame a appelé la police puis lui a demandé s'il prétendait être le propriétaire et l'a contredite. De façon inattendue, Bernard sort une copie du certificat immobilier. Il s'avère qu'il avait prévu des ennuis, alors il s'est préparé à l'avance. La police a réalisé que la maison lui appartenait réellement, alors ils sont partis en colère. Cette nuit-là, Bernard retourne à l'immeuble. La vieille dame à la porte l'aperçoit et lui dit aussitôt de sortir car ce n'est pas le moment de rénover. Bernard répond toujours calmement, « Je ne suis pas un ouvrier en rénovation. Maintenant, je suis le propriétaire. » La vieille dame est abasourdie. Quelques jours plus tard, elle déménage avec colère parce qu'elle ne veut pas vivre dans le même immeuble que des Noirs. Dès le départ de la vieille dame, Bernard loue sa maison à une dame noire. Effectivement, le marché des locataires noirs est énorme. Comme il l'avait prévu, l'immeuble est rapidement rempli et Bernard remet le paiement de suivi négocié à l'ancien propriétaire. L'ancien propriétaire admire beaucoup Bernard et lui propose de démarrer une entreprise avec lui. Bernard choisit la maison et calcule les revenus. Et l'ancien propriétaire négocie la transaction et signe le contrat avec lui devant. Les Blancs ne sauront pas qu'ils font affaire avec des Noirs et ils partageront les revenus. Bernard accepte volontiers. La coopération entre les deux se déroule très bien et il gagne immédiatement beaucoup d'argent. Bernard déménage également d'un immeuble à un manoir peu de temps après, offrant ainsi une vie heureuse à sa famille bien-aimée. C'est sa sagesse, lorsque quelqu'un fait preuve de discrimination à son égard. Il ne riposte pas car il tomberait alors dans les règles du jeu des autres. Il veut jouer selon ses propres règles. L'économie rationnelle et le profit maximum sont ses objectifs ultimes. Cependant, la vie ne se déroule pas toujours sans heurts et des défis peuvent surgir à tout moment. L'ancien propriétaire qui travaille avec Bernard est vieux et fragile et décède subitement quelques années plus tard.
Ses capitaux propres dans l'entreprise sont hérités par son épouse. Cette femme pratique une grave discrimination à l'égard des Noirs et ne veut pas coopérer avec Bernard. Elle propose avec mépris d'acheter les actions de Bernard à un prix très bas. Et s'il n'est pas d'accord, elle le poursuivra en justice. À cette époque où les Blancs et les Noirs plaident en justice. À votre avis, qui serait le juge? Faveur Bernard ne veut pas être traité aussi injustement. Alors il décide d'aller au tribunal. Mais il doit trouver quelqu'un pour témoigner afin de prouver sa relation de coopération avec l'ancien propriétaire. Il pense au directeur de la banque. Mais celui-ci a déjà coopéré avec la veuve et évite à nouveau Bernard. Extrêmement déçu, Bernard se tient debout dans la banque et regarde autour de lui. Le bâtiment de la banque, propre et bien rangé, montre partout des crocs systématiquement discriminatoires. Juste à cause de la couleur de sa peau, il est souvent méprisé lorsqu'il entre à la banque. En pensant à cela, un projet audacieux surgit peu à peu dans l'esprit de Bernard. Il y a 4 banques dans un même bâtiment, et chacune d'entre elles a fermé ses portes à cet homme noir. À ce moment-là, l'esprit de Bernard génère une idée géniale. « Je vais acheter ce bâtiment et voir qui d'entre vous osera à nouveau me discriminer. » Bernard retrouve donc Joe, un autre promoteur immobilier noir de Los Angeles, et lui fait part de ses projets. Au début, Joe pense qu'il est fou parce que le prix du terrain pour l'immeuble est extrêmement élevé et qu'aucun noir n'a jamais acheté de terrain dans le centre-ville de Los Angeles. Mais après en avoir discuté un moment, Joe découvre que Bernard n'est pas un homme délirant mais un rationaliste réfléchi. Pourquoi veut-il acheter cet immeuble ? Parce que tant qu'il sera propriétaire de l'immeuble, la banque qui s'y trouve lui servira. Il n'ose pas refuser de lui accorder un prêt. Ils lui divulgueront également les tendances immobilières afin que ses affaires immobilières se déroulent plus facilement. Joe est choqué par son idée. Mais après y avoir réfléchi, il pense que cela fonctionnera. Bien qu'il soit extrêmement riche, il est également soumis aux blancs partout dans le monde. S'il peut marcher sur les banquiers blancs sur les terres blanches, il gagnera plus d'argent. Cependant, ils ne peuvent toujours pas négocier de transactions directement avec les blancs. Ils ont donc besoin d'une personne blanche comme agent. À cet égard, Bernard a déjà une idée en tête, Matt, qui l'aide dans les rénovations. Ce type est un honnête homme. Il est aussi très ambitieux, juste un peu inexpérimenté. Alors Bernard et Joe ont décidé de former Matt de manière approfondie, en lui apprenant le golf, le haut, bonne manière de classe, pensée mathématique et immobilier. Matt est à la hauteur des attentes et devient rapidement compétent au golf. Tout en jouant au golf, il peut calculer les évaluations immobilières tout comme un jeune entrepreneur prometteur. Dans un club de golf, Matt rencontre le propriétaire de le bâtiment de la banque. Bien entendu, cette rencontre est également arrangée par Joe. La conversation se déroule bien et Matt a la chance d'acheter le bâtiment. Et le reste sera négocié. Mais Matt ne sait pas comment faire. Ne t'inquiète pas. Avant la négociation, Bernard aide Matt à faire tous les préparatifs. Il compte d'abord le nombre de lumières allumées dans le bâtiment après la tombée de la nuit. Calcule le taux d'inoccupation du bâtiment. Puis obtient la valeur estimée du bâtiment à travers les revenus annuels et les coûts d'exploitation du bâtiment. Bernard prépare tous les numéros qui pourraient être impliqués et demande à Matt de mémoriser ces numéros avant de rencontrer le propriétaire. En conséquence, peu importe la façon dont le grand patron bluffe sur sa propriété, Matt a toujours une longueur d'avance et donne le chiffre exact. Ce qui choque le grand patron, le comptable à côté de lui est également abasourdi. Ils pensent tous qu'ils ont rencontré un génie mathématique et qu'ils ne peuvent pas du tout le tromper. Au final, Bernard obtient le bâtiment initialement évalué à plus de 2,4 millions de dollars pour seulement 1,56 millions de dollars. Désormais, chaque fois que Bernard entrera ou sortira du bâtiment, les présidents de chaque banque viendront lui serrer la main. Le petit manager qui lui a rendu les choses difficiles dans le passé est sous le choc. Avec le soutien du secteur bancaire, la carrière de Bernard et Joe dans l'immobilier s'est développée rapidement. Ils brisent à eux seuls le zonage strict de la ségrégation noire et blanche de Los Angeles. De nombreux jeunes noirs prometteurs s'installent dans les quartiers blancs. Peu de temps après, ils sont même reçus par le vice-président. Quelques années plus tard, en 1963, Bernard ramène sa famille au Texas pour rendre visite à son père. En Grande-Bretagne, après leur dîner, Britton dit à Bernard qu'il est fier de ses réalisations. Le lendemain, Bernard se promène en ville avec son fils. Avant de s'en rendre compte, il se trouve devant la banque où Bernard travaillait comme cireur de chaussures. À cette époque, le Texas était l'endroit le plus raciste d'Amérique. Il rencontre un jeune garçon cirant des chaussures, comme Bernard le faisait quand il était petit. À la grande surprise de Bernard, le garçon ne travaillera que dans la peau des blancs. Ce petit incident touche Bernard et éveille son sens des responsabilités envers son prochain. Il décide secrètement qu'il doit changer le statu quo et aider la communauté noire de sa ville natale à obtenir de meilleurs logements. Le lendemain, Bernard rend visite à Joe et lui dit qu'il devrait acheter la main en banque au Texas. Joe pense que Bernard est fou d'y avoir seulement pensé parce que le racisme au Texas est si grave. Mais Bernard parvient à démontrer des raisons impérieuses pour effectuer cet achat. En fin de compte, Joe accepte d'aider Bernard.
Il recrute à nouveau Matt et l'utilise à nouveau comme leader. Il rencontre le propriétaire de la banque, Robert Florence Senior et Junior, pour discuter des chiffres de la transaction. Malgré les soupçons de Florence Junior, Senior vend la banque à Matt et ses associés. Une fois la main en banque acquise, Bernard se met au travail et commence à aider les Afro-Américains de la ville à obtenir l'approbation de prêt. Il semblerait que l'objectif de Bernard soit d'aider ses semblables à avoir une chance équitable d'obtenir un logement et même des opportunités de gagner de l'argent. Les choses se passent bien pendant un certain temps jusqu'à ce que Florence Junior commence à enquêter sur les prêts approuvés par leur banque. Un jour, Florence suit Matt et retrouve Bernard et Joe. Il les confronte au sujet des prêts qu'ils ont approuvés et les menace d'une lettre du département du Trésor américain. Il dit que le département inspectera les opérations de la banque dans un mois. Alors que Florence Junior part, les gars discutent de leur prochain mouvement. Pendant ce temps, Matt a eu une suggestion. Il suggère qu'ils achètent une autre banque et transfèrent les prêts problématiques du continent vers cette banque. Ils discutent de l'achat de la banque de Marlon Moore et Bernard dit que le principal problème est de superviser les opérations de la banque. En réponse, Matt suggère qu'il soit autorisé à diriger la nouvelle banque. Bernard exprime son malaise face à l'idée. Mais il finit par accepter de laisser Eunice garder un œil sur Matt. En fin de compte, Matt gère sa banque. Comme il le souhaitait. Le lendemain, Matt rencontre un avocat et commence à signer des contrats de prêt à son signal. Quelques temps plus tard, Matt reçoit un appel de Florence Junior concernant des clients qui souhaitent retirer tout leur argent du continent. Pour aggraver les choses, un examinateur de banque fédérale arrive à Marlin pour aider Matt. Bernard s'oblige à se déguiser en concierge pour pouvoir se rapprocher pendant la réunion. Malheureusement, cela ne fait aucune différence puisque l'examinateur découvre un problème critique sur plusieurs prêts. Bernard ne croit pas que ces prêts absurdes aient été approuvés. Finalement, ils apprennent que c'était Florence Junior qui le faisait depuis le début. Il s'avère qu'en se précipitant pour gérer sa banque, Matt a ignoré les protocoles et a fait appel à un avocat recommandé par Florence. Grâce à cela, Florence a pu se faufiler dans les prêts problématiques. Quelques temps plus tard, Bernard et Joe disent à Matt que la décision la plus rationnelle qu'ils puissent prendre est de s'éloigner de la banque de Marlin. Ne voulant pas abandonner sa banque, Matt fait un geste sans en informer ses partenaires. Joe apprend son déménagement le lendemain et se précipite à la main en banque avec Bernard. Il confronte Matt à propos des prêts tandis que Florence regarde le spectacle avec un air fier sur le visage. Bernard dit à Matt de récupérer leurs livres. Mais il est trop tard. Les examinateurs fédéraux des banques sont arrivés pour révoquer la licence d'exploitation de la main en banque. En quittant le bâtiment, le FBI arrête Bernard et Joe. Bernard essaie de tenir bon, mais c'est une lutte futile. Quelques temps plus tard, Bernard et Joe retrouvent leur avocat. Ils apprennent que leur affaire a été entraînée par certaines politiques raciales dans le pays. Pendant ce temps, Matt discute avec le sénateur MC Cleland de la possibilité de témoigner contre ses partenaires en échange de sa liberté. Matt réfléchit à son prochain mouvement ce soir-là et passe un appel téléphonique. Matt suit les suggestions de MC Cleland et témoigne contre ses partenaires lors de l'audience du Sénat le lendemain. Plus tard dans la journée, Bernard rencontre également MC Cleland et écoute sa proposition. Il lui donne le choix d'accepter un accord d'immunité et de confirmer les témoignages de Matt. Où Bernard peut dire ce qu'il veut et aller en prison. Finalement, Bernard décide de dire les mots qu'il garde dans son cœur depuis des années. Il parle de discrimination raciale dans le pays. Peu de temps après, la fortune de Bernard et de Joe a été décimée après l'audience. Et les deux ont également été condamnés à une prison fédérale. Florence Junior achète la main en banque pour une petite fraction du prix payé par Bernard et Joe. Pendant ce temps, Matt Steiner n'a jamais été accusé d'aucun crime. Quelques années plus tard, Bernard et Joe sortent de prison. Eunice trouve étrange que les deux hommes semblent eux-mêmes après avoir perdu toute leur fortune. Il s'avère que ce n'est pas du tout le cas. Joe révèle qu'ils ont des propriétés côte à côte aux Bahamas. Eunice est incrédule et demande à Bernard comment cela s'est produit. Il s'avère que l'homme que Matt a appelé la veille de son témoignage était Bernard. Il a parlé à Bernard de l'accord du sénateur et lui a présenté ses excuses. En retour, Bernard a demandé une faveur à Matt avant que le gouvernement ne puisse saisir leurs actifs. Le film se termine lorsque nous apprenons que les propriétés résidentielles de Bernard et Joe ont joué un rôle déterminant dans la lutte contre la ségrégation en matière de logement à Los Angeles, et qu'ils possèdent toujours deux demeures l'une à côté de l'autre aux Bahamas.